Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione di Metropoli. Oggi siamo al Club de Golf di Verchères, proprio fuori Montreal, sulla Rive Sud, e abbiamo occasione di parlare di un evento molto interessante e anche bello, perché c'è la CRAIC che fa questo torneo di golf per raccogliere dei fondi. Cos'è la CRAIC? Beh, è il Consiglio regionale degli anziani italiani canadesi, fondato dalla senatrice Marisa Barthe, che sarà qui con noi, e altri anche invitati che saranno con noi per parlare di questi Club de l'Âge d'Or. Allora, non andate via, si continua con Metropoli. Ecco, allora siamo di ritorno a Metropoli, e questo programma è dedicato a una causa molto importante. La causa è nel quadro di un torneo di golf proprio qui al Club de Golf Verchères, torneo che aiuta la CRAIC per aiutare i nostri anziani italiani canadesi. Però abbiamo anche il piacere di avere con noi il presidente d'onore di questo torneo, il signor Danny Galland. Danny, bonjour, bienvenue à notre émission. Bonjour, c'est un grand plaisir. Danny, président d'honneur pour ce tournoi qui est quand même à sa plusieurs éditions. Il y a plusieurs éditions qui ont eu. On est à la 14e édition de ce tournoi de la CRAIC. Exactement, 14e édition. Votre participation, c'est probablement quoi, 7e ou 8e? On est à 7e présence. Les 7 dernières années, en fait, qu'on était présent à ce tournoi-là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Danny Galland d'être nommé président d'honneur quand même pour un tournoi où il y a presque une centaine d'inscrits? Hein? Bien, d'abord, c'est un grand honneur. Je dois remercier la sénatrice Marisa Barthe qui me donne ce privilège. C'est un privilège d'être président d'honneur. Puis j'ai accepté avec un grand plaisir, et je veux supporter la cause que Mme Barthe a développée depuis les 40 dernières années dans la communauté italienne. La CRAIC fête cette année son 40e anniversaire d'existence. C'est pas rien. C'est une association qui a passé les temps, passé plusieurs décennies, et vient en aide à la communauté italienne. Et je pense que c'est important de s'impliquer dans cette cause-là. Et à part de cette cause-là, je sais qu'on a parlé un petit peu avant d'aller à l'entrevue. Dignité et Danny Galland, vous êtes impliqués avec plusieurs causes, non seulement celle de la CRAIC, qui est de la communauté italienne. Vous avez aussi un plus large éventail, si on veut, d'implications sociales. Pouvez-vous nous parler un peu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour la dignité, d'être impliqué avec ces choses-là? Mais je pense que d'abord et avant tout, comme entreprise, on se doit d'aider les différentes associations, différentes entreprises, quelles qu'elles soient. Il faut aider les gens dans leur cause. Et puis nous, on veut être proche des gens, on veut être près du public, on veut sentir les gens proches de nous. On veut être présent sur le terrain, serrer des mains. C'est pas juste de partir puis d'envoyer un chèque de 200 $ par la malle pour faire une commandite. C'est pas ça la réalité. Si on est présent avec les gens, si on va à leur activité, que ce soit aller à des cueillettes de pommes, d'aller à des cueillettes de pommes,